Moi, c'est Régis Nkolo, j'ai 19 ans. Comme boxeur, je suis à un niveau assez bien. Je vise actuellement une classe A là, pour m'imposer dans le top européen et international. Pour moi, la boxe, c'est un noble art. La boxe, beaucoup de gens croient que la boxe, c'est la bagarre de rue, c'est prouver aux gens qu'ils savent se battre, mais au contraire, c'est pas du tout ça. La boxe, c'est un noble art, c'est un jeu de jambes, c'est de la technique, c'est de la précision. Voilà, c'est pas, faut pas croire que c'est de la bagarre, c'est un sport humble. Alors mon premier combat, si je me rappelle bien, c'était en 2013, et ce combat-là, j'avais combattu jusqu'à 91 kg. Et puis bah, j'ai gagné mon premier combat par KO, donc voilà, ça m'a fait plaisir et ça m'a encore plus motivé, quoi. Et après, par rapport aux boxeurs qui m'inspirent, par exemple, Floyd Mayweather, Anthony Joshua, Roy Jones, Lennox Lewis, tous ces grandes têtes là, bah, c'est des boxeurs qui m'inspirent. Moi honnêtement, ma réussite actuellement là, parmi ces prochaines années, franchement c'est de faire un truc aux Jeux Olympiques, pas aller faire le touriste. Franchement, ça sera vraiment une réussite d'apporter une médaille des JO. Franchement, c'est un rêve. Mais voilà, il n'y a rien sans rien. Et puis après, vraiment la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir une ceinture mondiale. C'est franchement d'avoir une ceinture mondiale. Dédicace à quelqu'un.